Bonjour tout le monde, bienvenue dans Discussion ça que nous faisons chaque mardi dans le cadre de Mardi Doc qui mettait 5 films disponibles gratis chaque mois et pour les gens qui sont en Haïti. Je dis à nous parler de films que dernier film que Arnold Antoinette a réalisé qui est Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, que nous avons regardé sur plateforme dans le jour dans fin mois. Nous un pile déjà quitté et gain opportunité garder li et nous très contents de ça. Et même si nous connaissons que Arnold tellement gain monde elle, que nous te connaissons qu'un peu le monde a fait venir sur la plateforme pour profiter de film ça. Il y a 4 autres films tout que nous avons regardé. Nous avons chance. Jodia, donc pour nous bien avec nous présidente focale qui c'est donc Michel Pierre Louis qui pourra discuter avec Arnold de film non m'a présenté yo tous les deux très rapidement avec point plus important enfin quelques points importants que m'étais point dans carrière chaque et c'est donc Arnold Antonin fait Port-au-Prince et Arnold Gain on diplôme de sciences politiques que vous t'es joint à Rome où t'es gain où t'es fait tout sciences économiques Venezuela côté où t'es fait en titan ou vin producteur avec cinéaste non commencement l'année 70 ou tout ou pas seulement un producteur un cinéaste où t'es tout un organisateur de débats et non cas notamment forum libre du jeudi que vous faites pendant presque 30 l'année, si je ne me pas trompe, où tu es un militant tout, et où tu es très investi dans plusieurs associations, où tu es investi un pile dans l'association cinéaste haïtien, où tu joues un pile prix, qui c'est en Haïti, qui c'est à l'international, où tu joues des prix extrêmement prestigieux, tant que étalon de Yeninga pour toute carrière autour dans le festival Ouagadougou. Premier film qui était vraiment lancé carrière, c'était notamment Haïti, Machine à Liberté, qui c'est un film qui était marché en pile côté, et même genre tout film que vous faites, pour tout essayer de mobiliser le monde par rapport à la situation qui était gagnée dans le pays, l'ESA avec Dictati Duvalier. Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte, si je ne me pas trompe, c'est 62e film que vous faites. Donc félicitations pour toute carrière ça qui est extrêmement impressionnant et donc et nous très contents nous capable parler de film ça avec aujourd'hui avec Michel Pierre-Louis que m'a présenté très rapidement. Donc Michel Pierre-Louis évidemment c'est présidente Focal, c'est fondatrice Focal tout. Michel fait Jérémy, Michel économiste et diplômé de université Queens de Queens College, lit tout docteur honoris causa dans UCLA. Michel était premier ministre Haïti en 2008-2009, il était chargé cours, il était professeur pendant un semestre dans Harvard, li président du centre d'art, li mené un pile action qui c'est dans secteur droit moun, dans droit paysan, dans organisation secteur tout et pour courir production agricole. Et puis, bon, ça c'est Yon Nambay que Michel fait. Et puis, il est tout maître d'œuvre de on revue qu'il a longtemps et qui a fait un travail très important qui est les chemins critiques. Michel, Arnold, bienvenue dans la discussion. Ça, nous très contents Jodia. Bonjour. Et puis, dévelé que voilà, nous avons dit bonjour au public là. Et puis, dis-nous comment nous y est. Bonjour, bonjour Maud, merci. Bonjour Michel, bonjour toute équipe là. Eh bien voilà, Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Arnold, bonjour Maud, merci pour la présentation. J'espère que nous avons une bonne discussion avec Arnold, son film qui a toute importance dans l'histoire nous, dans l'histoire cinéma. Et voilà, merci en pile de ce que vous choisissez pour mettre en face pour tous les garçons ça. Nous avons besoin, on monte en cours Michel pour parler avec Arnold de film ça, évidemment thème film ça et puis personnage Jean-Jacques Dessalines. Et nous pas plus long, on a regardé un premier extrait et puis m'a quitté nous pour discussion autour de film. Merci un peu, on a regardé un premier extrait. Le 1er janvier 1804, les généraux de l'armée indigène proclament au monde l'indépendance du nouvel État. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Il faut au gouvernement inhumain
qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, enlever tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. C'est la troisième grande révolution triomphante de l'époque, après l'américaine de 1776 et la française de 1789. Mais sa portée les dépasse, car elle affirme et illustre l'égalité de tous les êtres humains. Ces révolutions se sont fécondées mutuellement, mais on a voulu étouffer celle d'Haïti, qui exaltait et portait jusqu'au bout les valeurs prônées par les autres. Les généraux haïtiens font du chef de l'armée de libération Dessalines le gouverneur à vie de cet État. Dessalines veut rassurer ses voisins. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme ne détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins. Mais il est sensible et solidaire avec la lutte des autres opprimés. Dans sa proclamation du 28 avril 1804, Dessalines déclare, en se référant à la Guadeloupe, « Le brave et immortel Delgrès, guerrier magnanime, ton noble trépas, loin d'étonner notre courage, ne fait qu'irriter en nous la soif de te venger. » Plus loin, il dira « Infortuné Martiniquais, que ne puis-je voler à votre secours et briser vos fers ?» Dessalines donnera son appui au révolutionnaire vénézuélien Francisco de Miranda, qui séjournera à Jacmel presque un mois, du 19 février au 12 mars 1806. La citoyenneté haïtienne n'est pas constituée seulement de sens formel, traditionnel, citoyen et citoyen, parce que bon, deuxième dimension, la citoyenneté haïtienne n'en prend par rapport même à revendication révolution, charrier. Et question la vie sous l'esclavage, la vie sous plantation, même, l'été fait que les gens qui étaient venus haïtiens, ils ont subi, ils ont vécu une expérience de souffrance qui fait pour eux-mêmes débarrasser de souffrance, d'ouer en composante de citoyenneté, nouvelle citoyenneté à construire. Là. C'est un fondement, l'idée même que Haïti ouvert à tout le monde, quel que soit côté lié, qui en souffrance, soit dans l'esclavage, soit en bas pouvoir colonial. Rebonjour, Anol. Je suis content en pile que nous avons une discussion ce matin. Et je suis content en pile qu'on fait film ça. Quoique, à l'enfilm, on connaît toujours un de toi qui remarque qu'on fait, mais ce n'est pas ça qui est important. Dessalines, c'est un personnage important dans l'histoire, nous, mais c'est un personnage controversé. Et en même temps, controverse ça vient tout du fait que nous tellement pas qu'on histoire nous bien. Donc, avant de rentrer dans la parole extrêmement important que Alex Wené dit là, nous avons dit pour qui ça a choisi de faire film ça, Kounien, sous Dessalines. Est-ce que nous avons connaît tout film ou fait en carrière ou c'est vraiment Haïti qui est central dans le film. Okay? On ne fait pas film pour le monde de l'autre côté, on fait film pour nous, quel qu'il soit, quelle que soit la thématique qu'on choisit. Et pour qui sont choisis Dessalines Kounien, on a choisi peut-être bien 5 ans ou bien dans 5 ans encore. On choisit faire Kounien. Il faut répondre à mes questions. Ça coûte. Je vais tourner sur une parole importante que Alex René dit là, sous question solidarité dans cette communauté de souffrance que M. Palais. Bon, vous me faites parce que pour moi-même, son façon de gagner pour me comprendre Dessalines. Parce que Dessalines, bon, dans tout Haïtien, il y a Dessalines dans l'imaginaire, Dessalines est toujours présent. Et je ne pas grand pile bagaille m'pa fin saisi de Dessalines. Donc nous avons besoin personnel de comprendre Dessalines. Et comme on pile et tentative de récupération très souvent caricaturale basée sur des stéréotypes des lieux communs que nous t'attendons sous Dessalines d'ailleurs depuis un petit monde. Donc moi j'ai besoin à ouais qui ça Dessalines, ouais comprendre la complexité li et ouais si Dessalines capable lui-même permettre que nous faisons face mieux à pile problème que nous avons aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Je crois que oui,
Dessalines et gain en pile bagaille que qu'a enseigné nous-mêmes nous aujourd'hui dans le pays d'Haïti et pas seulement nous-mêmes parce que moins Dessalines gain pile bagaille est capable enseigner pas de façon comme qui dirait parce que pas de les font à géographie on respecte l'histoire d'une ville de saint même t'es voulu soulever tout problème que Dessalines par action le poser et ça a servi pour tout pays dans le Caraïbe, l'homme fait que soit expérience en Guadeloupe, en Martinique, et même dans le monde entier. Donc voilà pour résumer. Très bien, merci. Merci. Alors, question qui soulevait là par extrait qui se fait passer hein, et par parole à Alex Renéo, mais même l'y interpeller ma pile. Parce que je pensais qu'on a l'action que nous pas gagné sous propre histoire, nous. Et ça, Alex dit, hein, effectivement, lui montrer que solidarité, ça, que Dessalines manifestait d'abord en aidant et Miranda. Hein? Bon, moi, nous on dit dans le film là, que Miranda était un Vénézuélien, mais c'est un mec qui était vivant en Espagne et qui rentrait justement avec première vision de libérer l'Amérique latine de colonialisme espagnol. Et effectivement, Dessalines était aidé comme Pétion pour aider Pita Bolivar. Et puis, extrait qui baille sous Del Greslan, lié extrêmement important, infortuné martiniquais, t'avine aidé nous. Alors, bon phrase que Vertus toujours dit tout, peut-être qu'on a oué ça dans l'autre extrait, c'est ça qui continue, et texte Dessalines. Dessalines dit, m't'avine aidé nous, mais bon obstacle entre nous que m'pas qu'a franchi. C'est la mer. La mer. Et effectivement, Haïtien viré d'eau bas la mer. Déjà, Toussaint a signé avec Anglais pour que le pas développer une marine marchande. Mais déjà, Dessalines rend compte de l'isolement à Saint-Domingue, Haïti, dans le moment ça. Et forme de solidarité, ça, qui issue de communautés de souffrance que anciens esclaves ont subi. Moi, penser que gon filon de réflexion là qui est extrêmement important parce que c'est pas une solidarité ni militaire ni c'est une solidarité donc conception de la liberté qui pour moi même fondamentale et qui lié à ça Alex Dian en citoyenneté qui basée sur ça sans penser de réflexion ça lui-même. Bon, je pense que Dessalines est non seulement fait de lutte en Haïti contre l'extermination des Noirs et des Métis qui étaient dessins et Napoléon, mais il va immédiatement lutter une portée universelle. Et il rend indissociable la lutte pour la liberté que les Américains et Français ont proclamé de la lutte contre le racisme et particulièrement le racisme anti-noir. Pas seulement dans des déclarations, mais concrètement. D'ailleurs, nous faisons espèce de mon choisi de texte de Saline, nous coupons en pile là, d'ailleurs. Mais il y a des textes incroyables. Par exemple, il m'a permis de me prendre la question là et lire un petit bout là. Je dis, le que dit qu'on y a de gouverneur général, il va le faire l'empereur. Monsieur dit, si quelques considérations justifient à mes yeux le titre auguste que votre confiance me décerne, ce n'est que mon zèle, sans doute, à veiller au salut de l'Empire et ma bonne volonté à consolider notre entreprise, entreprise qui donnera de nous, aux nations les moins amies de la liberté, non l'option d'un ramas d'esclaves révoltés, mais celle d'hommes qui prédilectent leur indépendance au préjudice de cette considération que les puissances n'accordent jamais au peuple qui, comme nous, sont les artisans de leur propre liberté qui n'ont pas eu besoin de mendier des secours étrangers pour briser l'idole à laquelle nous sacrifions. Nous trouvons ça une déclaration incroyable. Hein? Mais c'est des textes puissants, hein? Mais tellement mal connus. Éblouissant, éblouissant, oui. C'est incroyable. Oui. D'ailleurs, nos interventions me font soif faire la francophonie d'Abdiyeh. C'est le premier monde qui a une littérature pour cafouer comme littérature créole dans la francophonie avec le fameux et le nom français lugubre, nos contrées, néologisme que Boisrotonnet a inventé
à ce moment-là. Donc, de toute façon. Mais encore plus éblouissant, c'est le fait que M. Rivet avait une vision, parce que c'est de grandes perspectives, ils avaient de grandes perspectives dans les grandes choses, dit, il est le vainqueur de l'Amérique, Bagayoussouli, ou même dans le film, le nom d'Haïti que l'on reprend, il baille, le seul qui a fait ça, déjà, Ekounian a fait citoyenneté. C'est une révolution dans le concept citoyenneté que Français ont été mettre que tout le monde. D'ailleurs, il balle un côté internationaliste immédiatement, oui. En se référant à Delbrès, en se référant à Martinique, en aidant Miranda. Alors, comme vous voyez, Miranda, son général de l'armée française, il est pas seulement espagnol, il a fait la guerre aux côtés des Américains. Il était l'amant de la reine et de Russie, de Catherine II. Donc, son personnage universel, flamboyant, ou lui-même, à son. Donc, et là, arrivé ici, il avait un grand rêve. D'ailleurs, c'est ça que Bolivar contribue à même faire arrêter Miranda. L'arrivé ici, il était tout un idéaliste total. Mm-hmm. Et donc, non seulement Dessalines d'elle, mais Dessalines essaie de ramener monsieur à la réalité de la lutte contre les exterminateurs et les sauvages qui étaient les colons. Donc, citoyenneté Dessalines Bailan, monsieur renversait en pile de termes. Je dis, les barbares, les vrais cannibales, c'est colons. Oui. Donc, nous-mêmes, c'est nous qui allons défendre le vrai humanisme et la vraie liberté universelle. Est-ce que c'est de là que viendra cet ostracisme radical que, et l'isolement que Colombo va l'exercer vis-à-vis nous en se battant constamment, vu que Pralvin a le traité de Bâle. Donc, il va le chita à côté dans la partie de l'Est avec Pichon et il va essayer pendant tout le temps ça reprendre ça a été considéré comme la partie française de Saint-Domingue. Ah ben tout à fait, parce que bagaille ça, c'était vraiment, il fallait tuer ça dans l'œuf, parce que sinon, le peuple, ça n'a pas fait, pas gagné, fait à l'huile, bah, ça yo. Pas seulement parce que tu as toute idée, ça y est, parce que c'est un exemple concret. Et c'est ça qu'on fait tout pour tout faire, pour tuer l'île. Et Dessalines lui-même, conscient de ça, dit, nous connaissons, nous allons maudire, vous que nous fait plan. Oui. Dans tout le pays. Bien. Alors, ce qui est extraordinaire, effectivement, et quelque part, pas que je ne parle pas d'utiliser le mot ça, même parce que c'est toujours venu en tête, mais quelque part, quelque chose de très moderne, c'est cette capacité de réflexion, ça, de la part d'un ancien esclave, hein, dont la vie politique est extrêmement courte, puisque Yodil mourit à 48 ans. Donc, c'est quand même extraordinaire que le processus d'émancipation personnelle, et processus d'émancipation guerrière li permettent d'arriver à un niveau de réflexion ça sur des concepts aussi qui fait paraître déjà concept de liberté ça hein, que les lumières et mettaient à la mode. C'est des concepts qui oui quelque part ils réapparaissent dans un moment ça et que t'es capable de gagner capacité conceptuelle ça d'une part d'être le seul noble. Donc, il connaît très bien quel type de richesse et de pouvoir qui vient avec noblesse-là. Ensuite, de consacrer naturalisation polonaise avec Allemands qui étaient virés contre et Leclerc à Rochambeau, Puyogoumen, avec anciens esclaves devenus nouveaux citoyens. Donc, et puis le nom d'Haïti, effectivement. Mes formes de citoyenneté, ça, penser dans le moment, ça, avec complexité, ça, et avec nécessité de gagner dans le Caraïbe et dans l'Amérique, et pourquoi pas dans le monde, mais penser que c'est un bail qui est sorti un peu de Finlande et qui était mérité que nous retournions sous lui pour que la complexité, là, nous comprenne les plus bien. Ah oui, mais tout à fait. Bolivar lui-même pita avec Ed Pétion, le parle en Amérique du Sud. Je vais diffuser les idées haïtiennes dans le reste de l'Amérique. Donc, ça veut dire que grâce à Dessalines, mais avec Moun qui tourne autour, Baron Tourneur très certainement, Chariron, et bon, Chariron est devenu un écartel parce que Chariron était trop orthodoxe par rapport à la question américaine, la constitution, la République, etc. Mais, et
Dessalines est arrivé avec un groupe qui était autour là, parce qu'il faut dire que Bois-Montournet, Chanla, tout Nexao, c'était presque des encyclopédistes, dans oui. le sens de l'encyclopédie française. Ils oui. étaient férus de littérature gréco-latine. Évidemment, Charéron était mon plume un peu, et était un peu un flagorneur. Et vous n'êtes qu'un coup, non, juste Chanla. Mais Bois-Montournet, c'est ton. Donc, tout Nexao, dériver vraiment et élaborer nos pensées théoriques de révolution. Ça n'a pas été seulement, j'ai osé dire, Dessalines, c'est un guerrier, ça suffit. Non, il y a eu tout, mais à partir de rien pratiquement, d'utiliser connaissances qui étaient déjà gagnées dans les Lumières ou bien dans le passé, parce que c'était comme une littérature gréco-latine, pour que nous élaborions une théorie de la révolution. Et une théorie de la révolution, pas seulement haïtienne, mais une théorie de la révolution des peuples esclavisés à ce moment-là, en 1804. Et tout autre bagaille, nous connaissons que son bagaille pour même nous défendre en publicité pour un bagaille racialiste lié, et nous d'accord avec eux, le dit tous les haïtiens, indépendamment de leur couleur, sont des noirs. Absolument. Dit en 1804, alors que le mot nègre, le mot noir Absolument. Sont des mots et des stigmates, et en faire des mots glorieux. Oui. Son bagaille. Absolument. Avant, Black is beautiful avant 1000. Black Lives Matter. Donc, pas parler de Black Lives Matter, mais Black is beautiful déjà. Donc, c'est de toute façon incroyable. Et me penser, et c'est ça que fait de l'homme fait référence. Il dit aujourd'hui en Haïti, le problème, en citant La Rochefoucauld, c'est que très souvent nous avons de petites perspectives, même dans les grandes choses. Oui. Alors que La Rochefoucauld disait qu'il fallait avoir de grandes perspectives, même dans les petites choses. Dessalines, et tout le temps que ça, après les intérêts contradictoires, mesquins, par le sujet et projet, mais ils avaient de grandes perspectives, même dans les même, et c'était des grandes choses. Ça fait que nous disons, mon qui aime la littérature, pour moi, on est dans Dessalines, je ne peux pas empêcher de référer moi, à Homère. C'est son personnage homérique. Moi, Dessalines, et c'est ça qui est son personnage fascinant, qui son synthèse entre Achille et Ulysse. Donc, pour le mettre dans une... Son tragédie grecque, hein? Son tragédie grecque. Il faudrait, et nous dit ça en Martinique, il faudrait une plume comme Césaire ou bien Shakespeare, par contre, mais peut-être Aléo Carpentier ou bien Homère, pour raconter l'histoire de Dessalines, tous ceux qui étaient autour de lui, ou bien Racine ou Corneille, par contre, c'est des tragédies classiques. Vous avez écrit une tripide pour écrire son exao. Alors, pas seulement Dessalines, mais chacun de ces héros de l'indépendance et même leurs proches, qui soient ceux qui mènent avec Tichancy. Son tragédie classique, mais il faut une plume qui soit capable de rendre ça, ou bien un cinéaste peut-être. Alors, sans dire sur intellectuel qui était entouré de lui, le Toussaint lui-même a écrit Constitution parlant. Hein. Je dis, il me faut 10 hommes instruits. C'est-à-dire, tu as une notion que, bon côté, il faut qu'on ait des capacités pour capable commencer à penser question ça, les questions constitutionnelles, les questions d'État, les questions de pouvoir. Et c'est vrai que colonie était extrêmement militarisée. Et que c'est ça qui va arriver par la suite tout, hein, que c'est un petit peu le régime militaire qui va dominer, mais en même temps, les grandes questions qui t'ont fait face à eux, versus tout, toujours dit ça, et monsieur dit ça, l'infime là tout, peut-être qu'on a obligé de retourner sous ça dans l'autre séquence, que toutes questions, les grandes questions de liberté, de souveraineté, de justice, de droit, mais qu'il y a toutes questions ça eu devant eux pour construire un État. Neuf, il fallait faire du neuf. Parce qu'il ne fallait surtout pas que nous reconstruisions un modèle qui semblait un modèle colonial. Donc, il faut virer d'eau vraiment. Et toute question qui vient à revoir avec colonialisme, racisme, et exploitation, etc. Et il était aux prises à la question ça. Et ce n'est pas évident non plus que il était gagné des réponses, surtout que, comme vous dites à l'heure, contradiction locale vient apparaître très vite. Et lutte d'intérêt va venir apparaître très vite. Oui, bon, cette guerre d'indépendance, c'est une guerre de terre brûlée. Donc, Negio fait table rase de toute bagaille pratiquement. Ressources matérielles, toute accumulation de capital, tout investissement détruit avec la révolution.
mais toute ressource humaine à le faire aujourd'hui, parce que les cadres scientifiques, les cadres et techniques, administratifs, toute partie avec et français. Et c'est ça, Virtus dit où le monsieur dit la colonisation s'est faite français, anglais, tout le monde sait dominer l'autre pays, pas seulement parce que tu es avide de richesse, mais parce que tu as les moyens nécessaires. Et le moyen, c'est ton connaissance de la science, toute science de navigation qui a commencé depuis Vasco de Gama, depuis Portugais. Monsieur Sayo a assimilé tout Colbert, son équité à toute action l'a fait, l'a mis des gens qui sont scientifiques, travaillent beaucoup d'elle. Le Toussaint a fait constitution. Monsieur Métonpil, Métonpil, c'était blanc, yoté. Parce que ressources humaines locales, pas existé et ça peut le poser by Dessalines, by tout le qui vient après lui. Mais avec moyen ou te gagne en et moyen intellectuel ou te gagne en malgré tout, même si du point de vue technique, du point de vue économique, on va résoudre le problème, yo, mais et du point de vue politique, yo te gagne une pensée qui on pensait qu'il était capable de mener un pays en loin vraiment. On y est, Dessalines vivait gérer toute contradiction qui est dans la société Saint-Domingue-Oise jusqu'à 1804. Après 1804, on y a un autre problème. Il vient une contradiction, il vient pas qu'à gérer encore, et c'est ça qui a amené à sa perte. Parce que, comme dit Pierre Buteau, c'est son conjonction d'intérêts particuliers qui fait que Dessalines, même qui a une vision collective, où est ça dans le texte, moins autre lien. Il ne disait pas qu'on allait paraître devant Colomb dans un amas de révolter, nous allons construire un pays et parler. Il parlait lui-même de projet. Donc, c'est un projet collectif, évidemment, probablement erroné, puisque son projet collectif qui devait reprendre un modèle économique colonial. Et là, il parlait non seulement du général, étant lui le seul noble. Il a même fait de mission monarque absolu. Et là, il voulait jouer le monarque absolu, il est tout net fâché. Parce que deux bourriques parlent en ligne même pâturage. Nous allons regarder puis devant, nous allons regarder un autre extrait et puis nous retourner sur la problématique. Merci Arnold. Merci à toi, Michel. Dessalines décide de doter son empire d'une constitution qui définit le régime politique d'Haïti et ses choix de société. Elle est promulguée le 20 mai 1805. Il s'agit d'un empire électif et non héréditaire, dont le seul noble est l'empereur. Dans toute société aztèque, toute société grecque, souvent quand il y a un noble, il y a un aristocrate. Souvent, c'est le général qui est plus important, qui est plus fort, c'est lui qui vient roi. La question qui vient poser pour nous, là, nous faire indépendance, était très difficile. Alors, ma bonne première question. Une première grosse question posée pour nous, c'est la question du droit. Dessalines pas de cap fondé. Même société là, même sur les principes de droit. Le mois de Dessalines envahit toute la Constitution. Et tous les généraux et tous ceux qui ont élaboré la Constitution font de Dessalines un être suprême. D'ailleurs, jour et ils ont proclamé Dessalines au cap et empereur, Christophe, qui est très sensible à des relations hiérarchisées de pouvoir, pour demander tout le monde de mettre à genoux. Certains articles de cette constitution de 1805 sont éblouissants d'originalité, de charge révolutionnaire et de modernité. Ils méritent d'être placés tous dans leur contexte et méritent tous d'être connus. Article 7. La qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays étrangers, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés. Article 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Article 14. Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef de l'État est le père devant nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Article 16. Une loi particulière sera rendue
concernant les enfants nés hors mariage. Article 28 des dispositions générales. Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Article 30. L'empereur fait, selgue et promulgue les lois, nomme et révoque à sa volonté. Article 51. La liberté des cultes est tolérée. Article 42. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de deniers à eux confiés. Article 20 des dispositions générales. Les couleurs nationales seront noires et rouges. La recommandons à nos neveux et en faisant hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l'occasion de briser nos fers et de nous constituer un peuple libre, civilisé et indépendant. Il s'agit en fait d'un régime militaire dirigé par un général en chef dans une vision pastorale de l'autorité. Le chef est le papa, le bon pasteur qui s'occupe de ses brebis. Ainsi, il en sera pendant presque tout l'avenir d'Haïti. Des gens qui disent que oui, mais cette période-là, c'était ça que tu as gagné, c'est pas vrai. Les messieurs finissent et fait la bataille de Vertières. Côté monsieur Bat français, bon, pratiquement, la question est réglée. C'est même bon, acte de l'indépendance qui était signé en période ça, le 9 novembre, dans la zone Fort Liberté. Bon, Dessalines dit non, on choisit entendre un jour spécial, 1er janvier, pour nous déclarer Haïti indépendant. Mais monsieur dit, entre-temps, monsieur, nous choisissons Charéron, écrit pour nous, acte de l'indépendance. Charéron, effectivement, j'étais venu aux États-Unis, monsieur dit, ouais, comment les Américains ont organisé Tétio. Monsieur dit, monsieur, entre vos présidences, nous ne pouvons pas continuer à suivre, roi, empereur. Non, non, non. Mais comme ça, mais qui ça, société américaine a porté à l'humanité une présidence élue pour 4 ans. Le pouvoir est divisé en 3. Les nègres réunis le 31 décembre 1803. Monsieur dit ça. Ça lui dit, qui baille ça? Baille ça du tout. Mettez baille ça de côté. Et puis laisse ça bon, tout le monde. Alors, il y a une pile parole qui tombe dans l'extrait ça. Hein? Et d'abord, question régime là, hein, question du chef suprême. Effectivement, bon, vous dites en film, que son vision pastorale de l'autorité, son vision de l'autorité qui totale. Donc, on a retourné sur ça, mais entre sa vertu, c'est vrai que aurait-il été possible que nous construisions, que l'y construit dans l'époque ça, un régime qui construit sur le droit. Cette question, on m'attend une réponse où. Mais il y a deux bagailles qui traversent l'histoire. Je joue un jeudi. Hein. C'est question nationalité hein, et question propriété. D'ailleurs, on a un sentiment sous ça. Parce que il y a des gens qui disent, est-ce que, on a insulté les livres et... C'est problème internet. Livre et collapse là et effondrement non et livre effondrement c'est Jared Diamond monsieur qui a un chapitre entre République dominicaine il a comparé République dominicaine à Haïti et monsieur dit question propriété ça et question nationalité ça c'était une entrave le développement futur côté il était qu'à justifier en 1804 ou la première partie du 19e siècle, hein? Est-ce que c'est justifiable encore? Et nous connaissons que ça a américain été fait avec question propriétaire. Donc, bien vision autoritaire ça, du chef qui était qui traversait l'histoire, nous, bien question nationalité à propriété. Hein? Et puis, ça, et deux messieurs dit, et Leslie et Vertus, sur choix qui fait yo dans moment ça. N'a retourné sur yo mais ma première réaction d'abord. Oui. Bon. Pour affaire droit, le problème du droit. Moi même ça me toujours peu et l'on est à affronter et problème et indépendance là et de l'indépendance là, c'est tombé dans anachronisme. Donc que
anachronisme, tout bagay n'a dit nous fait pour nous situer dans la période historique. C'était, on comprend que bah échoué ou on peut-être si nous t'ai choisi depuis sous Dessalines, pas tap mourir, j'en mourir, nous cas peut-être après ou conflit ou l'autre gens, même gens que Pétion va laisser faire après, moi ouais que Pétion lui-même bah j'en mourir faire une république qui semblait vraiment à république qui basée sous constitution américaine. Non, à ce moment-là, vu l'histoire, vu l'international, côté, la République trahie par Napoléon en France fait faillite totalement. Donc, c'est des monarchies avec des monarques absolus qui n'ont tête tout pouvoir de tout côté. Donc, modèle qui était dominé, alors, l'État, c'était modèle monarchique. En plus de ça, il y a un politicien, même pas qu'à mettre tout ça, dit que m'interviewer, qui dit, je vous en ai dit, le haïtien pour organisation, même économique, même sociale, dans les campagnes, toujours un peu, gagne un roi, et donc, c'est presque un modèle culturel. Donc, et c'était vrai, mais il était sorti avec un modèle culturel qui soit bien loin, bien que vous n'avez pas remarqué dans le film, mais ils font plus référence à toute l'Amérique latine, même aux Incas, même à tout Pacamaro, etc. Mais bah, j'aime parler de l'Afrique lui-même, hein. À part le vieux et ceux dont les pères sont restés en Afrique. À part de ça, il n'y a pas référé à l'Afrique comme modèle. Non, mais ma pauvre maman, Arnold, vous connaissez que Paul Virel, le Sotonax fin fait proclamation générale liberté esclavio, il y a un problème qui était posé, pour mettre sur mon texte sur ça, sur comment vous parlez les anciens esclavio. Parce que cultivateur blanc, il n'y a pas de vrai les cultivateurs. Et Paul Virel proposait que y aurait les Africains. D'ailleurs, si vous voyez tout texte Paul Virel, il fait référence à anciens esclaves qui libéraient des Africains. Mais anciens esclaves, ils pas d'accord. Ils n'ont pas de vrai les Africains. Les Africains, parce que les Africains, c'était Bossal. Exactement. Et puis c'était Flavio. En Kenya, il y a des gens qui ont concept pour les. Et là, si vous voulez, mémoire collective, nous, oui. Peut-être pour ça, j'ai dit, hein, nous presque pas même une ambassade de pays d'Afrique en Haïti. Oui. Bon, mais mon folklore africain habillé, d'ailleurs, mais mon folklore lié. Oui. Donc, vous avez ma question, sous question chef, là. Et puis, sous question nationalité à propriété. Oui, bien, donc c'était difficile qu'à ce moment-là, Négio pas choisi contre Charéron et a fait monarchie. Il a essayé d'adapter, il a fait un seul noble pour pas venir Jean-Christophe un paquet de gabon, un paquet de privilèges, mais en évitant qu'il y ait trop de privilégiés, il est devenu le seul privilégié. Ça a conduit un peu à sa perte parce que chaque nec des besoins, lui-même, un noble d'où, d'un côté pali. Donc Dessalines, un seul noble, Dessalines concentré pouvoir. Même quoi que l'un est Virtus posé problème du droit, son problème qu'il a jusqu'à présent, t'es gagné l'autre bagaille ça a tout. Si n'est-ce pas appliqué de loi qui existait sous papier, Dessalines, dans la Constitution, il prévoit la lutte contre la corruption, il prévoit pile bagaille, c'est bagaille qui était sous papier, vraiment. C'est comme ça problème de loi, selon moi, posé depuis lors, c'est l'affaire de faire des belles déclarations, de bagaille qui écrit, mais qu'aucun monde n'a pas appliqué dans la réalité concrète. Donc, le problème du droit s'est posé à ce niveau-là. Mais, tu as gagné quand même une espèce d'appareil législatif que Dessalines s'est mis sur place. Vous pensez, d'abord, même moi, faire registre civil, que le bagage, je vous dis, il posait pour Haïtien un cadre d'identité. On va résoudre le problème, ça. Il posait fonds recensement. C'est le bagage incroyable. Sans compter tout l'autre bagaille sur le divorce, en quel monde va comprendre. Les outils Mounio, etc. Tu as des bagailles assez avancées quand même. Mais d'avant-garde. Mais en même temps, tout le gain de bagaille qui était sous modèle période. Là. Oui. Là, et Bolivar, qui est un républicain et convaincu, et prend pouvoir dans l'Amérique du Sud. Mais il a vu proclamer le président à vie. Et finalement, n'est-ce qu'il va laisser assassiner lui. Ou bien pour le faire, une damnation mémorie contre Bolivar ou même tout. C'est même bagaille qui dit contre Dessalines, qui dit Dieu c'est ton tyran, ou bien qui a un pouvoir absolu, il devait concentrer tout le bagaille dans la main, c'est ton dictateur, etc. Parce que en même temps, tout le monde qui sortit
dans l'armée, ça fait une longue carrière dans l'armée, en général, ils ont une vision militariste du pouvoir, le chef absolu, by Lord obéi. Donc, vous venez de bail, ça vous venez lié. Le modèle monarchique dans le monde entier est la pratique du chef militaire. Oui. Donc, c'était difficile, moi-même, moi, penser que nous défendons l'autre choix. C'était possible, mais c'était très difficile et cet autre choix n'a pas été fait. Et le négal fait. Rapidement, avant de passer dans le nouveau extrait, c'est sous question vision urbaine. Oui, article 28 là, qui dit au premier coup de canon d'alarme, c'est un article constitutionnel. Hein? Les villes disparaissent et la nation est debout. Et ouais, que Christophe entrait dans les terres, Dessalines entrait dans les terres, Pétion rêve, il s'était allé la coupe, donc Pétionville. Est-ce que vous vision urbaine, tout, comme quoi, comme ville, c'était des butins de guerre, pratiquement, hein, et c'est la esclavité rivée, c'est la marchandise produite gratuitement par travail forcé d'esclaves, t'es reparti. Est-ce que rêter l'imaginaire collectif, nous, une vision pyromane des villes, toi qu'à ville dans le pays, ça y a boulé depuis qu'on a un petit problème. Est-ce que l'imaginaire collectif, nous, rêter une vision urbaine que les villes doivent disparaître quand même? Oui, bon, ou bon bagaille, ou nous avons eu une conversation déjà, on te dit, dans le pays côté, où les bagailles comme ça dans Haïti. Et des affaires portraits de Saline, c'est un exemple, deux portraits authentiques, qui ont été gagnés de lit, qui ont été peints dans deux, et du feu dans deux déchoucages, qui ont perdu, qui fait, dans l'entrée, dans l'anecdote, d'un coup, son japonais qui fait tête de Saline. Oui. Mais c'est sûr que la guerre de la terre brûlée, la violence générale qui régnait dans ce pays, tout bagaille, c'est par la violence et la plus extrême qui résoudre, il y en a pas plus facile, on fait violence et mettre du feu, brûler toute bagaille. Donc, moi, je crois que oui, les bagailles sont traditions historiques et lamentables, mais qui existaient et qui peut-être maintenant inconscient collectif. Tout. A fait du donc son bagage pour nous t'as débarrassé de lui mais qu'on pour répondre à l'autre question déposée avant et vous décidez j'arrête pour faire effondrement que monsieur dit et lui-même effondrement économique là lié à loi sur la propriété Emmanuel Todd tout bien tout un théoriste a fait effondrement ça à sa façon oui. Est-ce que c'est héritage et pays côté qui gagne en général le droit d'aînesse, c'est le pays côté l'économie plus prospère parce que vous pas perdu accumulation à chaque fois que vous en mort. En Haïti, il y a un problème, ça. Oui, le problème individuel. Le problème individuel, son gros problème dans l'affaire accumulation capitale et dans l'affaire conservation des richesses, certainement, dans le pays. Absolument. Et donc, alors, ma bonne anecdote, où le mouet des paysans cap font nous chaudier en deux. Parce que vous avez vu des films de gars. Pour nous séparer en deux. C'est pas menti, non? Il va être tout bon. Pour retenir, c'est un film de fiction. Et donc, mettez tout pour la prouver, c'est menti. La réalité qui dépasse l'imagination. Ouais, alors, c'est un problème réel, mais bon, on y a un carré des points de vue divergents, tout. Bon, il y a tout problème, ça, yo. Et. Par exemple, même discussion sur le choix de Dessalines de conserver la grande propriété plantationnaire comme modèle de développement économique ou accumuler richesse. Moi, je pense que quand même ça, c'est un bagage pour nous retourner sous lui. Mais okay. Peut-être que comme le temps a passé, n'a pas regardé le prochain extrait, mais il faut tourner quand même sous question ça, parce que un pile monde comprend que phrase ou se dire. Et les pauvres noirs dans les pays sont en Afrique, c'est parce que Dessalines est entré dans la distribution de terres pour anciens esclaves. Ce que même dans le film, là, Pierre Buteau, tout le monde dit que ce n'est pas possible du tout. Donc, une espèce de chimère qui existait sous question ça. Et c'est bien que dans le film, là, on réussit à montrer que ce n'était vraiment pas ce modèle-là et que ça était fait référence à l'autre bagaille. Donc, on nous passe le prochain extrait et puis on retourne sur la question ça qui pour moi-même fondamentale. Mmh.
c'est Clairvaux, Pétion, Christophe, qui chita ensemble, je dis, monsieur, n'a pas pris Dessalines comme chef. C'est pas Dessalines qui présente Dessalines comme chef. Et c'est même l'équipe actuelle. Clairvaux, Pétion, Christophe. Chaque fois que j'entends les gens dire Dessalines, tu veux distribuer tes. Dessalines pas accepté distribuer tes. Parce que livrer une société solide, forte. Il pense que si vous distribuez tes, la société a vint fragile. Force qui baille la richesse coloniale là, qui te rend Saint-Domingue fort, n'est-ce que tu veux faire même bagaille. C'est ça Christophe pour le faire dans le royaume. Eh bien, si vous voulez, ça te exclut toute condition de distribution de terre. Vous avez sûr qu'il fait. Entre le moment avant du 54 côté que soldat a gommé des salines, et les salines pour le pouvoir, pendant deux ans et demi que les salines au pouvoir là, soldat n'a pas senti que des salines a défendu les terres. Tout professeur t'a appris nous des salines pour aller mourir, peut-être que tu devais distribuer terre. Ou non, songez Fraza, et les pauvres noirs d'Afrique n'ont-ils donc rien? Est-ce qu'elle t'a parlé de toute noire? Les grandes dimensions métonymiques, noir ça renvoyé à toute noire. Mettez qu'on relation, s'il vous plaît. Des salines pour le casser l'unité nationale là. C'est que le pas de admettre pour Mulatio, propriété Mulatio, à mettre main sous toute terre. Alors que le pas de guetter à l'époque coloniale, à l'époque Saint-Domingue. Puisque papa yo, pas de baillot, papa yo, pas de même reconnaître. Phrase de Saline que Madjou rapporté, et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, nous n'ont rien. Et ils ont assimilé généralement phrase ça à un projet que Dessalines a gagné pour taguer, pour ta distribuer terre, une distribution massive de propriétés, de petites propriétés dans le pays. Mais en réalité, l'idée ça même, c'est l'idée qui sorti d'une interprétation un peu abusive que Louis-Joseph Janvier fait de phrase. Parce qu'en réalité, dans la réunion que Dessalines pose problème ça, ça Dessalines a traité, c'est le fait que, à l'occasion de la campagne de l'Est, il y a un pile anciens libres et d'autres fonctionnaires, noirs et fonctionnaires mulattes, et qui à la fois des individus privés, des fonctionnaires qui prend propriété ça yo comme des propriétés, comme des biens propres. Alors que Dessalines te réservé propriété ça yo comme des propriétés d'État pour le passer à l'affermage. Question propriété en retourné dans l'extrait ça et c'est bien que Pierre Buteau et là Alix René et montrer le schéma qui était en tête de Saline sous question ça. C'est-à-dire, l'État est le propriétaire des terres. Donc, que mulat, que nous avons à prendre terre, que ce soit après la campagne de l'Est ou même avant, et lui-même l'idée contre question ça. Donc, il fallait absolument que l'État devienne le grand propriétaire de toutes les terres qui était appartenu aux colons et a fermé qu'on y a pour produire. Alors, Vertus toujours dit que dans le schéma, ça a tout manqué un élément qui te fait richesse coloniale, le grand commerce international. Que le Toussaint, que le Dessalines, ils pensaient que produit la terre pral poté richesse dans le pays, alors que ils s'énaient la question taxes, etc. D'ailleurs, ouais, ça peut arriver avec ordonnance Charles X Pilouin. Il va exiger que moitié taxe nous exonérer yo pour la France. Donc, question production richesse dans le pays à partir de la propriété qui appartenue à l'État et qui est basée sur l'affermage, je pense que c'est un élément qui sortit en pile en Finlande et qui est extrêmement important. En attendant, nous arrivons sur l'autre question. Qui vision sur la question ça? Mais, je dis rapidement deux bagailles qui ont été posées avant que je ne réponde pas. C'est affaire et étranger par un droit de propriété dans le pays. Que justement, Diamond dit son bail expliqué, Jared dit son bail expliqué et puis l'autre affaire, on n'est pas capable de nationalité étrangère. Mais deux bagailles ça qui certainement m'a interpellé sur toi, c'est un diaspora,
c'est pour mettre en contexte surtout. Premièrement, retourner, parce que pour lui-même, c'était clair que une fois qu'on a une propriété, son levier de pouvoir pour le gouvernement. C'était normal qu'à cette époque-là, il n'y a pas de vle pour raciste, pour colonialiste, retourner, venir levier de pouvoir, ça, non, mais il voulait pour tout théâtre, c'est un main haïtien pour lui. Donc, c'est un bail normal. Plus tard, l'État haïtien. Donc, il représentait collectivité. C'est normal que, avec développement du temps, avec développement capitaliste et commercial qui vient fait non plus sous base et intervention armée, que on a accepté que l'étranger vienne propriété dans le pays après. Mais à l'époque, ça se justifie pleinement, et me dire que tout le monde comprenne ça, pas juger bagaille ça avec critères, vous nous dites, même nèg pour l'économie libérale. Et deuxièmement, affaire nationalité, c'est même bagaille et tout. À ce moment-là, dans le contexte d'ostracisme qui était gagné contre toute bagaille qui sont en Haïti, elle a accepté, ou bien pour Haïtien à l'étranger, pour une double nationalité, tout problème ça posé dans tout le pays, on va pas accepter non plus. Et génération pas moi, nous te considérer jusqu'à ce sont qui rentrent dans nous, prendre un passeport étranger, nationalité étrangère, c'est presque une traîtrise l'idée. Ça fait moi-même, bah, j'aime prendre nationalité étrangère. Depuis que je suis haïtien, tout côté au fruit, nous avons caressé mon groupe de nationalité étrangère. Pas j'aime prendre. Parce que je me sentais que c'était un mauvais acte, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Trahison. Je me sentais que nous avons mis en dedans. Nous avons changé totalement, nous avons jugé bagaille. Je dis, nous avons critiqué ancien, mais nous avons ancien à critiquer, nous avons dit en tout. Donc, pour dire pour cela, bah, propriété, hein, c'est vrai. Haïti, c'est Thomas Madiou qui rapportait bagaille sale, dit qu'il était plein en bouche et qui ont été les administrateurs et chefs administrateurs. Et non. Ah, l'autre qui t'a fait vérification éthique de propriété. Ah oui. D'abord, non, tout à l'heure. OK. Tout à l'heure, non, à venir. En tout cas, c'est dans la bouche, monsieur, que. Un Jinak. C'est dans la bouche, un Jinak, que Thomas m'a dit, en question, il a rapporté et qu'on y a. Et on est en couple Joseph Janvier, vient utiliser hors de contexte et puis il vient faire un slogan. Mais question que et Alex Coulet posait bien, premièrement, c'est à écarter que c'était une distribution individuelle des terres que le cap fait. Parce que pour lui-même, il était en vision de la propriété étatique des terres. Lui-même, d'ailleurs, et mon qui tout le temps répétait ça, il était en pile habitation, mais c'était des habitations à fermer, c'est pas de propriété le tout. Que l'Esprit a toujours dit que. Et monsieur, c'est une année qui est plein propriété, bah, sauf de bâtir une forme de propriété, bah, comme ça. Mais, Kounien, ces questions, les Noirs dont les pères sont restés en Afrique, est-ce que tu as préféré là avec petits soldats, cultivateurs? Certainement pas. Il se référait à d'autres, et dans le sens général du terme, si nous-mêmes nous prenons propriété privée pour nous, soi-disant, parce que papa nous a une propriété qui est tellement nous est blanchée, ou bien l'autre nègre parce qu'on a déjà fait la guerre avant. Alors, l'autre nègre que papa n'a pas de propriété ou bien n'a pas de la guerre, même si on a ses capitaines, ses généraux, parce qu'en fait, c'est un transfert de classe. Absolument. Et, il faut le dire, le Dessalines a mené la bataille. C'est, nous représentons un groupe social. C'est nouveaux dirigeants et puis nouveau monde qui a contrôle sur l'économie paysan. Donc, Caroline Fick explique ça très bien dans le livre, la révolution d'en bas. Oui, donc moun sa ou pas tant question vraiment. Et ça, pour l'expliquer que les Salines, comme dit Pierre Buteau, pour aller mourir tout seul, parce que non seulement tout généraux séparé de lui-même, mais même la masse, comme c'est arrivé à Toussaint d'ailleurs, le Constitution, déjà, il y a masse éloignée de lui parce qu'il n'y a pas reconnaître pile dans la lutte à peine. Même si le pape mène en lutte, même Jacques pile dans l'autre négo. Dans l'intérêt privé, parce que toujours une image de projet collectif, oui, l'État, une nation, on l'État, j'ai envie de dire, l'État fort, qui n'est pas prêt à le montrer son bande de, et qui est un bande miséreux, qui prend pouvoir, qui a fait n'importe qui genre. Donc, il était un espèce de rêve. Peut-être que Christophe parle bientôt après, tout l'autre n'est d'ailleurs. Oui. En tout cas, on a retourné sur ça. On prend un dernier extrait, un dernier extrait. On a retourné sur deux ou trois autres questions qui viennent traverser l'esprit en moment ça.
Mais on regarde les derniers extraits et on va nous faire une discussion extrêmement intéressante. Ça, vous avez parlé en pile. Mais en pile bagaille pour dire. En pile bagaille pour dire. En pile bagaille qui n'est pas dit dans le film pour nous dire. Tout à fait, tout à fait. La question de vous là, c'est justement l'histoire de l'Europe en Haïti. L'Europe, le système capitaliste, le système moderne, pas qu'à exister en dehors de la racialisation des relations du pouvoir. Il a inventé race, il a inventé raïssable, il a inventé nègre inférieur. Et puis, on va inventer ce que notre cher Laïnekou vous appelle le barbare imaginaire. C'est lui qui a inventé. Question de couleur, par où 99% de la population haïtienne et qui ne vivent pas question de couleur. Alors qu'il est, Gombara et Mounio interprétent déjà l'idée de Dio, question de que Mounio Piton, Mounio qui a une petite couleur, etc., etc., etc. Mais on pose la même question en Europe. En Espagne, une femme, excusez l'expression, qui chaud, c'est une blonde. Mais en Suède, une femme qui chaud, c'est une brune. Bah, quoi, il y a une discrimination dans ça. C'est le fruit défendu, c'est sacré, là, etc., etc. Qui fait qu'en Haïti, un monde qui blanche, qu'on rabette blanche, un monde qui noue, qu'on mousse au charbon. C'est pourquoi, ce sont, il y a ta cape belle, oui, mais c'est rare. Tandis que le monde qui n'a mis tant, c'est des contingents plus acceptables. Bah, quoi, que nécessairement, il y a une discrimination dans ça. Bah, quoi. Mais, mon, bah, je dis que la question de couleur n'a pas existé en Haïti, non? Ça me l'a dit, il n'a pas existé pour toutes les couches. Et c'est genre, l'autre jour, Haïti commençait à une population urbaine aussi importante. Longtemps, non? Tant et si, mais ça va être tellement important pour la population rurale que les Polonais arrivent ici tous des masculins. Ils ont tous fait petite avec les négresses. Petite, ils n'ont pas de jambes mulattes. Ils ont pas rouge, mais ils n'ont pas de mulattes. Pourquoi ça? Parce que mulattes veut dire un rouge qui était, un rouge qui héritait tête en main. Un blanc. Moi, me dis, c'est ça, mulatier. Mulat en Haïti, c'est pas un rouge, point final. Moi, me dis, c'est blanc sale, c'est blanc maintenant. Blanc maintenant, c'est blanc maintenant. Un point, c'est tout. Il n'y a pas dans mulat, blanc maintenant. Blanc maintenant, pas dans blanc. Il n'y a pas même les au blanc. De même, etc., etc. Donc, c'est pour moi une question de couleur comme ça, moi, un bagaille superficiel qui n'a pas qu'à expliquer l'histoire d'Haïti. Dessalines, non, constitution dit que tout Haïtien noir, pour moi-même, c'est pas du tout opposition ni racialiste ni raciste, une position extrêmement moderne. Maintenant, critique que m'accepter de proposition ça, c'est peut-être même encore récemment Alex Kouené qui fait dans le livre lien, c'est que quelque part on renvoyait question préjugé couleur ça dans la sphère privée. J'ai trouvé que son disposition qui gagnait et qui est intéressante à plusieurs points de vue. Premièrement, elle dit ça. Et même mon cap signé acte de l'indépendance, c'était que blanc là d'ailleurs, par exemple. Et tous les Haïtiens sont noirs, y compris ces blancs là. Donc ça, on pourrait bagarre pour résoudre. Mais deuxièmement, pour résoudre, question ça, c'est au niveau politique seulement le cas traité. C'est dans la vie publique qu'il est capable d'avoir effet. Dans la vie privée, question couleur là est entier et l'État est capable de toucher. Donc l'État en face à une situation côté libre en disposition de déclarer tous les Haïtiens sont noirs, c'est pour l'espace public, mais l'espace privé reste intouchable alors que l'espace privé pendant le rété intouchable capable de continuer à faire sur l'espace public parce que dans l'espace privé c'est un lieu favorisé pour créer les réseaux. Société et haïtienne après l'indépendance, on a même l'indépendance, on va le gagner et une élite. Avec deux ailes, avec deux branches. Une élite, l'élite noire et l'élite mulâtre. Entre deux branches de l'élite ça, traditionnelle ça, pour aller gagner, n'est-ce pas? Il y a des contradictions entre eux-mêmes. Pour les contradictions secondaires, comme les marxistes haïtiens, mais c'était des contradictions quand même, qui pralent, malgré entendu sur le plan économique face à la grande masse, pas vrai, des anciens esclaves. Qui viennent ouvriers, qui viennent paysans, qu'on y a là, mais entre eux-mêmes, t'es gagné, n'est-ce pas, des divisions, et ben, ça va le marquer, et systématiquement, et leur rapport dans leur lutte sociale, dans leur conflit, n'est-ce pas, pour la prise du pouvoir politique et pour la suprématie économique. Par exemple, les Noirs au pouvoir, pour la prise du pouvoir, dans la bataille, n'est-ce pas, avec les mulâtres, ils pourraient utiliser l'idéologie noiriste, pour être capable de faire le peuple comprendre, qu'ils sont proches du peuple, ils ont entendu avec d'autres.
ils sont à même, c'est eux, n'est-ce pas, qui doivent prendre le pouvoir parce qu'ils représentent la majorité. Et les mulâtres aussi, pour utiliser cette différence ethnique, raciale, cette idéologie coloriste, comme on rend tout. La question de couleur, le préjugé de couleur en Haïti. Alors, il y a différentes interprétations qui paraissent là. Alors, Jean tellement, Jean est un si bel homme, regardez Jean et façon de parler, ça toujours fait plaisir parce que c'est un monde qui aime en pile et c'est un chercheur, un sociologue qui quand même poté en pile éclaircissement sur l'histoire, nous, sur la sociologie, nous, sur, depuis premier thésien, la culture opprimée, qui dit des bagages très intéressants sur, sur nous-mêmes, sur l'histoire, nous, sur le monde, etc. Et sur question couleur, ça. Alors, et passage que m'te dit ça dans le plan film là et que m'te renvoyé un peu à ça Alix dit hein, pour moi-même c'est perspective ça qui est intéressant. Alors j'en dis des bagages intéressants. Moi-même travaille tout côté dans le pays ça et effectivement vous venez arriver des côté et polonais ou descendance polonais ou dans le sud-là qu'on prend côte de fer, qu'on prend gris-gris. Alors, on côté que les jamais vus, par contre, si vous jamais là, Anol, il les jamais vus parce que justement, toi, quand on dit là, il n'y a pas clair. Mais moi, j'entends des mots mieux là, plein sorti de discussion, il y a gagné. Encore moins, mais il y a le gris-gris. Enfin, il y a dit gris-gris, tu veux dire, tu es sorti de mots grimel. Donc, peut-être vrai, par contre, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais c'est non, pas fou, que, c'est pas faux pour moi. Gagne des bagages par rapport à ça Jean Casimir Dian qui est intéressant. Ouais, on regarder un peu les différentes couches sociales de paysan côté aller côté des monde qui clair des paysans qui travaillent terre qui clair bon baradeur bien toute une zone côté c'est des descendants allemands qui étaient là au même tout bon paquet de monde qui gagne pour clair ouais qui paysan qui travaille terre qui était bénéficié de terre que le pétion était venu bailler par la suite etc. Donc bon bah là ça j'en dis un qui fait mais pour moi question qui est intéressant c'est façon Alix poser là ouais et comment on résout une question dans espace public leur renvoyer à la sphère privée ou décision yo capable prendre pour perpétuer un mode et quand qu'on dit en réseau. Alors, on pas contre ça penser de ça même voulais retourner après son bail que Jean t'ai dit qui pas paraître dans clip là mais que me voulais tourner sur lui sur question langue créole. Mais ça comment on web ça ou même par rapport à et ça Macfel dit et ça Jean dit et ça Alix dit. Et ça me dit moi-même par rapport à ça, Marc Feldian, je suis d'accord avec lui, ça a été toujours un peu comme ça. C'est-à-dire que depuis qu'il y a une lutte politique et pour pouvoir, vous devez ça dans les déjoies avec Fignolet, avec Duvalier. Donc, on a toujours tendu que si candidat noir ou candidat milat en face, il pourrait l'appeler à la solidarité de la peau pour que la majorité de la population appuyer lui contre l'autre-là. L'autre-là, lui-même, pour aller courir à d'autres types d'arguments que M. lui-même n'est pas préparé, etc. C'est ça que fait, c'est lui de mériter pouvoir, ou bien, lui pour aller appuyer. Les deux grands partis traditionnels. Les deux grands partis traditionnels libéraux nationaux, même si que, année Sassé, année Jacques-Séphane Alexis, hier, on a parlé au monde sous. Qui dit Jacques-Séphane Alexis, pour Jacques-Séphane Alexis, les progressistes, c'était les libéraux, il n'y a pas de doute. C'était les facteurs. Lui, c'était l'alliance avec la bourgeoisie nationale. C'était le facteur de modernisation, c'est eux. Et pour lui-même, et ça que fait pays n'a pas marché, c'est parce que nous n'avons jamais arrivé à la bourgeoisie nationale, parce que les traîneurs de sabre, crasés-li, et très souvent, c'est le nom de question de couleur, là, bon, on connaît l'histoire de Firmin. Tout le monde fait comprendre que Firmin, ils ont mis l'acte Baïzer. Mais. Pour faire et ça lui-même, pour moi-même, bon, j'en ai raison, évidemment. Mais exemple, pour un on a fait, et bien de monde qui pas d'accord, parce que c'est toujours un évodien, pour que tu coules dans le temps, c'est les bagailles. Mais c'est un peu ça qui veut en Haïti. Après, il y a bien de l'heure, mais ce n'est pas du racisme.
Et j'en ai raison. Ce n'est pas parce que, par exemple, bien de l'heure, mais c'est toujours blessant. Le bon minorité va dire, ah, bon, ils ont blanche. Ils ont un seum qui dit, Dieu, dès qu'on dit ça, et bien, ils ont des vexels. Ou bien, soit, vous voyez ça, je vous dis, même mon capcara avec moi, il y a un petit foncé, puis l'autre là, dit, ah, on est trop noir. Et bien, pareil. Donc, alors, ça. Alors, Gauthier, qui sont historiennes, et qui ont un livre très intéressant, qui est intitulé L'aristocratie de l'épiderme. Elle dit quelque part, c'est la colonie Saint-Domingue que sorte de hiérarchie ça a pris forme. D'ailleurs, son schéma de Saint-Héry avec toutes les classifications que tu as fait sous degré, sans nègre qui a coulé l'envers nous, etc. Elle dit c'est vraiment Saint-Domingue, l'œil aboli traite, et que y a moins esclaves. Colon yo te vle que tout croisement qui fait entre blanc et noir, donc tout te mulat qui fait yo, que c'est yo qui a cultivé la terre, et yo même yo te basé sur Attique Côte Noire qui dit que leur fait, leur ou gen manumission à partir du moment qu'on fait le croisement ça. Donc, vin gon résistance et blanc yo justement vin établi cette aristocratie de l'épiderme. Alors, question c'est, qui s'en gagne dans la mémoire collective, nous tout, que nous charrier, y compris par, à travers exemple pour saut de Bayo, ou est-ce ou ravette blanche, ou bien sûr ou même outre noir, etc. On côté dans l'esprit, nous, question ça travaille nous toujours et nous pourquoi émanciper par rapport à qui? Ah non, mais ça c'est sûr, mais imaginons qu'aux États-Unis, jusqu'à présent, c'est pas sous couleur yo basé, pour dire si c'est blanc ou noir, c'est sous un groupe de sang noir jusqu'à présent. N'importe qui, mais là, ils sont nègres, ils sont noirs jusqu'à présent, regarde Obama. Donc, et ça, son bagage qui vient, son forme de sous-racisme qui existait entre Haïtiens. Vous voyez, mon nègre l'autre jour, m'a dit, ou l'autre, m'a dit, monsieur, que bon, ben, milatrice, raciste, je dis non, c'est pas raciste, c'est préjugé de couleur, et la BCE font distinction. Son forme de sous-racisme, évidemment, héritée de la colonie. Et c'est vrai que, Jean-Michel Wolf, tout le dit, le que, et où sont mulattes dans la société, hein, où ont capital de départ. Oui. Et donc, où ont avantage par rapport avec nèg qui noir net là. Mais est-ce que c'est vrai dans la paysanne haïtienne? Hein? Est-ce que c'est vrai dans la paysanne haïtienne? Non, c'est pas vrai. Donc, il renvoyait à l'espace de pouvoir. C'est exact. C'est exact. Donc, moi-même, de ce point de vue, à part Remarque et Jean-Léo, on n'est pas d'accord. Mais conclusion générale, bien, moi-même d'accord avec lui. Joël Loquet publie un livre côté, tout un chapitre côté, parler de bas et question de couleur, ça va se déposer en relation à la bourgeoisie. Donc, en Haïti, il y a un bas très simple. Depuis que mon clair, il dit ça, c'est bourgeois. Depuis que mon noir, pour moi, c'est prolétaire. Ça n'a rien à voir. C'est mélanger les catégories et les concepts. Donc, ça ne peut aboutir qu'à la confusion, finalement. Oui, mais il est un fait certain, c'est que surtout, mulâtre qui sortit depuis des temps coloniaux pour des raisons démographiques, etc., ben, il n'y a pas existant encore cette mulâtre, ce mulâtre héritier de Pétion, etc. Ben, il sort disparaître totalement par les lois même de la démographie. Oui, et puis par la migration et si au Libanais. Exactement, donc on y a eux-mêmes au Balouan Haïti, et c'est ça qui est intéressant. Le Dessalines dit tout haïtien, indépendamment de leur couleur, sont des noirs là. C'est que mot noir là en Haïti, mot nègre en particulier, vient synonyme de moun. Oui. De sorte que, dit tellement ça que gagne le naïwo poa tant on pin n'est pas parler en créole rec n'a pas parler nous-mêmes nèg bo ici bagaille ça et puis on est en plusieurs blancs et me comprendre que plusieurs blancs et c'est syrien voyez c'était ou bien palestinien pas connait mais même moun sa yo valeur haïtienne sa yo et façon de concevoir et bagaille race là il rentre là-dedans yo. Yo ka pare mon l'autre nèg passé le pinois mais nous konn se nèg yo et tout bay haïtien oui. Donc en tout cas c'est une question complexe effectivement. Une question complexe mais bien que l'y poser l'en film là. Mais bon fait certain que c'est que tout haïtien
indépendamment de leur couleur. Jusqu'à présent, ils n'ont pas considéré comme noir, parce que noir sont couleur, mais tout considéré être comme nègre. Ça, c'est certain. Depuis qu'il n'y a pas les étrangers, c'est au blanc. Et moi, je raconte l'histoire, c'est un Sénégalais qui était venu ouais mouleur, tal n'a pas les devant porte-là, bon paysan, bon côté mouretéen, d'ailleurs, il était le blanc, lui-même, parce qu'il dit, j'en clair, à peine, je viens côté, je dis, bon, ça, oh, monsieur Arnold, et quand blanc ça a sorti? Monsieur, l'équipe t'a balé, monsieur dit, blanc t'a voté à l'heure, je dis, monsieur, oh, oui, ça a dit, c'est blanc, dit, monsieur, depuis qu'il m'entend de le balé, moi, son blanc. Alors, c'est vrai, d'ailleurs, un pile américain noir, tu as un pile problème en Haïti. Parce que vous imaginez un racisme féroce contre vous aux États-Unis, vous rentrez en Haïti, vous êtes les blancs. Donc, c'est en voulant dire nègre, ça veut dire étranger, ça. Ouais. Oui. Donc, c'est vrai que nous avons une ignorance la question, hein, mais c'est bien que vous avez posé l'enfant pour faire mon réfléchir tout. Oui, parce que tout dernièrement, sous l'actualité, tu as gagné un groupe de néo-duvaliristes et qui était autour d'un Giron Jovenel, qui a essayé de re-théoriser toute question ça, en reprenant les thèses de Duvalier. Or, en même temps, tout, autour montre la mesquinerie, l'a approché pour le monde, songez c'est Duvalier, le marié petit qui est avec Foucan, qui diront ça, oui. Mou réussi côté des salines, des échoués. Oui. Alors, l'image du Duvalier, il complique tout, oui. Parce que, bon, phrase que m'te lis dans la lutte des classes. Ça vient de l'histoire d'Haïti. Bon, phrase que m'kembe Anol. Il s'agit d'arriver à l'équilibre des deux élites pour sortir le peuple de son status, de son statisme séculaire alourdi d'impedimenta. Ah, oui, citation, oui. Citation, ou gaga vérifier dans le livre du Valier avec. Non, ici, mais je mets liberté, je parle en pile de bagage, ça, de l'émission. D'ailleurs, qu'on avait préfacé en l'appelant le Mein Kampf haïtien. Absolument. Absolument. Hitler. On a eu un pile bagage qui vous a dit, juste pour finir, extrait ça n'a pas passé, mais il était frappé dans le livre, dans le film, là, le Jean parlait de créole. Là. Ouais. Que monsieur dit, en fait, il y a un bagage qui unit nous tous dans la société haïtienne, là, c'est question créole. Et je pense que c'est un bagage qui mérite réfléchir sur lui vraiment, quel que soit tout préjugé à travers l'histoire qui est venu gagner contre créole, là, etc. Je dis à lui qu'il a un droit de citer et il est reconnu constitutionnellement. Et me penser effectivement qu'il y a plus de travail qui doit être fait dans le créole pour que ça, j'en dis, vienne vraiment constituer une donnée sociologique, linguistique qui est imposée dans la société. Absolument d'accord que si en Haïti, malgré que vous dites qu'on est l'État, même pour qu'on est une nation, une nation haïtienne. Et un élément clé, nous gagnons langue, son langue commune. Qui est une langue, je ne connais, le charlot, une façon de penser, puisque la pensée, le langage, c'est le bail qui lié, et lui gagner toute une série de valeurs que le transmettre. C'est ça que fait, je vous dis aujourd'hui, nation, tant que nation haïtienne, non. Côté, nous n'avons pas de problème religieux majeur, nous n'avons pas de guerre de religion, nous n'avons pas vraiment un problème racial de minorité, de guerre, nous n'avons pas de problème linguistique pour nous, pas qu'à comprendre qui j'en fais plus grand saignement de salines, non. Nous va arriver font unité au moins son base mon agenda national pour nous construire pays ça pour nous arriver faire Jean de Saline dans ville faire même Jean toute père de la patrie dans ville que le pays un pays prospère un pays libre donc son bas incroyable alors Jean vient de bas il dit que pas d'accord par exemple et Fimion fait comme ça vient de bas il me fait mon contredit mon grand veut dire le contraire de ça me dit soit fait ça son BIT vient de l'homme fait mon contredit entre eux mais d'accord, 100% à Jean. Côté, nous pensons qu'il mérite discussion, c'est l'explication du bail qui fait que monsieur n'a pas utilisé créole alors que Napoléon, avec Leclerc, a vini, il a voué texte en créole bah, haïtien depuis l'heure. Et puis nous-mêmes, toute déclaration nous sommes en français que nous faisons. D'ailleurs, proclamation de Saint-Onax, c'est en créole qu'il fait. En créole que le fait. En 1793. 1793, et après, en 1802, de Clé débarqué avec et, les appels et Napoléon en créole.
Absolument. Et nous-mêmes. Donc voilà, on a le temps à passer. Merci en pile. Nous avons discuté en pile encore. Mais le film a un mérite, même si il y a deux, trois bagages. Pourquoi on aime toujours un petit critique par rapport à film? Bon, c'est normal, c'est bien, c'est bon. Bien, film là pour faire débat, pour faire critique. Bon, mais en même temps, c'est sous film de fiction. Mieux. Oui, ah non, alors là, on ne va pas entrer dans ça là. Mais merci en pile, quand pile bagi ta ka dit toujours, merci Maud de l'occasion ça pour Bambrin pour discuter avec Arnold, ou qu'on aime une passion pour l'histoire pays. Donc, merci en pile Arnold, Maud, mwen rebaou, mikou. Merci en pile Michel. Merci à tous les deux. Vraiment, nous t'es carité toute journée à attendre nous. Effectivement, c'est passionnant. Merci un pile et ma du public là, tout que le film est disponible pour fin mois de mars. Ma remercier toute équipe technique qui permet et discussion ça t'es marché très bien. C'est Laurence Magloire, Cathy Tézir dans Mouem TV qui sont partenaires. Mardi Doc, ma remercier équipe Focalio, particulièrement Leslie Roque Duperville et Carl Foster Candio qui a géré diffusion et discussion ça. Ma pour un petit temps pour me remercier toute page qui correspond discussion ça et évidemment ou joignez-nous sous page Focale mais tout sous page Mouem Festival 4 Chemins Chocarella Ticket Magazine Loop Haïti Star TV Centre Pen Haïti le Centre d'Art Top Haïti Association Kit Camp de Débat Focal Bibliothèque Tap Ouest Centre Culturel Catherine Denham et Bibliothèque Monique Calixte. Merci en pile et puis nous parlons en prochaine discussion c'est pour aller et sous film qui est Les Orequins de Emmanuel Licha que nous avons regardé jour fin mois de mars. Merci en pile Michel. Merci en pile. Merci à toute l'équipe de tout et bien on l'a ouais. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci, Mouem. Merci. Dessalines s'était marié le 2 avril 1800 avec Claire Heureuse, plus âgée que lui. C'est une belle femme d'une rare élégance et d'une grande beauté vantée par tous les contemporains. Le mal ne leur coûte rien à faire. Parce qu'aucun sentiment de bonté ni aucun principe de vertu ne les retient. Mais aussi, ils font le bien sans peine, parce que leur corruption les porte à le faire pour paraître bons et pour tromper le reste des hommes.